Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce début d'année, je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter bonne heureuse année. Le thème de cette messe est double. D'abord, la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu par sa résurrection. Il était déjà par sa conception Fils de Dieu. Et Marie est la mère de la personne de Jésus qui a double nature, homme et Dieu. Alors, nous allons fêter Marie, Mère de Dieu. Jésus a pris chair de la Vierge Marie. Deuxième, c'est le début de l'année et la première lecture va nous parler de la bénédiction et rappeler aussi aux prêtres et à moi que je suis serviteur de la bénédiction et trop souvent, pas seulement les prêtres, mais les parents aussi, avant de laisser partir les enfants, souvent on leur donne une bénédiction. Demandons pardon chaque fois que la bouche qui bénit est souvent la même bouche qui maudit. Demandons pardon pour que nous puissions rester des hommes et des femmes de bénédiction. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Kyrie. Chantons la gloire de Dieu. Alléluia.
Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la Bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la première lecture nous introduit en ce jour de 1er janvier, jour de l'an, où Dieu nous promet la bénédiction. Et cette bénédiction passe par les prêtres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, parle à Aaron et à ses fils. Le prêtre est l'instrument de la bénédiction de Dieu. Et dans les paroles de bénédiction que devaient prononcer les prêtres et que doivent prononcer les prêtres, il y a d'abord la sécurité, ensuite la prospérité et enfin le bien-être. La sécurité, on peut directement penser au pays en guerre, mais on oublie souvent que la sécurité aussi, c'est sur la route. On peut être un bon conducteur, mais un chauffeur fantôme peut nous entrer et nous pouvons perdre notre vie à cause de l'insécurité sur la route. La prospérité, ce n'est pas seulement l'accumulation des biens, mais une bonne gestion de ce que le Seigneur nous donne pour que nous ne puissions pas manquer ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui sont dans la pêche. Souvent, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés de cet ordre et ils ont besoin de bénédiction. Mais cette prospérité, ça peut être aussi pour chacun d'entre nous. Et souvent, des gens tombent dans la pauvreté parce qu'il y a tellement de catastrophes et des sources de dépenses. Et le bien-être, c'est la santé, c'est l'harmonie dans la famille, dans les couples, c'est le fait de se sentir utile. Pendant cette période des fêtes, il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce que je sers encore ici sur terre? À quoi je sers? Oui, chacun de nous doit recevoir aujourd'hui la bénédiction du bien-être parce que si nous sommes encore en vie, c'est que nous sommes appelés à aimer, à donner beaucoup d'amour autour de nous et à nous laisser aimer. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous dit « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » C'est le résumé de Marie, Mère de Dieu, parce que Jésus, son Fils,
est le Fils de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Là, c'est la vérité de notre foi. Et Marie est la mère de ce Dieu, vrai Dieu, qu'est Jésus-Christ. Mais alors, l'Évangile me permet d'entrer un peu dans la situation de Marie à 15, 16, 17 ans, jeune fille qui va avoir une grande responsabilité d'être une mère. Parce que être mère de Dieu, ce n'est pas seulement mettre au monde, mais c'est accompagner ce fils de la naissance, comme va faire Marie, jusqu'à sa mort. Être mère, comment peut-elle remplir ce rôle? Et je pense qu'elle nous donne un des moyens qu'elle avait. Elle était présente. Présente dans tout ce qui se passait pour voir la volonté de Dieu dans le quotidien de la vie. Et en méditant ce passage, je me suis dit, mais des fois, il nous est difficile d'être présent dans ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que soit nous sommes tirés vers l'avenir, vers le futur. Combien de fois on est à l'église, mais pendant qu'on est là et que le prêtre, peut-être, il devient très long, on est déconnecté et on commence à penser, après la messe, je dois faire ceci, je dois faire cela, et on est parti dans ce qu'on va faire après. On n'est plus présent. Soit on peut être rattaché par le passé. Ah oui, l'année passée, j'étais encore avec quelqu'un qui nous a quittés. Et puis après, on rentre dans le passé avec la personne qui nous a... Et souvent, c'est difficile d'être présent. Je peux donner juste des petits exemples. Comment nous sommes distraits et nous ne sommes pas présents dans ce que nous faisons. Ce matin, j'étais en train de prier et puis tout d'un coup, je n'ai pas coupé. Comme maintenant, on a les prières, le bréviaire sur nos téléphones. Et puis après, il y a eu un message. J'étais parti à lire le message qui était là. Et puis tout d'un coup, je dis, tu vas prêcher aujourd'hui sur la présence. Voilà un exemple. Quand tu dois prier, coupe le wifi parce que ça va te distraire. C'est un petit exemple. On n'est pas présent dans ce qu'on fait. Combien de fois les gens en train de conduire et puis tout d'un coup, il y a un téléphone qui sonne et puis ou un message qui entre. On est partagé entre la conduite et alors là, on touche un peu à la sécurité. On peut mettre à mal les autres qui sont sur la route. Ainsi aujourd'hui, chers frères et sœurs, je nous demande de prendre au moins une petite résolution pour cette année 2021. D'être présent à Dieu quand on prie, de couper le wifi pour l'abbé Jean-Jacques. D'être présent aux personnes qui nous parlent. Combien de fois on est distrait? On doit répéter. Est-ce que tu entends ce que... qu'est-ce que tu viens encore de dire? Parce qu'on n'est pas présent. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'être présent. Et quand on est présent, on peut aussi constater que l'autre a fait un effort et qu'elle a été chez... Malheureusement, maintenant, on ne peut pas aller chez le coiffeur. Et puis après, on est là. Mais comment? Tu ne remarques rien? Tu ne vois rien? Mais j'ai été chez le coiffeur. Ah! Si on est présent, il y a des petites choses qu'on peut voir. Et souvent, on est distrait, soit par le passé, soit par l'avenir, mais on n'est pas présent dans ce que nous faisons. Que Dieu nous donne cette grâce 2021 d'être présent. Comme c'est une solennité, proclamons notre foi. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons à notre Dieu notre humble prière. Pour que la prière de ton Église éclaire les événements de notre monde et qu'advienne la paix à laquelle aspire toute l'humanité, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Conduis les dirigeants des nations sur le chemin de la mémoire, de la solidarité et de la fraternité, pour qu'ils sachent poser les choix présents et futurs en faveur de la paix. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Mets dans le cœur de toutes les personnes en souffrance ton amour et ta paix, chemin d'espérance face à tous les obstacles et à toutes les épreuves. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Accorde aux membres de notre communauté la grâce de suivre la Vierge Marie sur le chemin de la méditation et de la réconciliation pour devenir des femmes et des hommes de paix. Seigneur, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Accueille, Seigneur, nos humbles prières. Exauce les intentions qui sont au fond de nos cœurs. Toi qui vis et règnes Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrie de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, Santo et Santo, Santo que wa Santo et Fumura, Santo, Santo et Santo, Santo que wa Santo et Fumura. Santo, 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 Hosanna, 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 Kuna Hazulu Efu, Santo, 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 Santo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Joseph, son auxiliaire Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière qui fait de nous des frères et sœurs en Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Du Père avec la puissance du Saint-Esprit. Tu as donné par ta mort la vie au monde. Et ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal.
Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La bénédiction solennelle pour le commencement de l'année. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Encore une bonne et heureuse année 2021 à vous tous. Don't